Mamma mia, buongiorno. Bonjour Mario, ça va? Oui, buongiorno. Enfin, ça va pas très bien, non. J'ai eu des gros problèmes. C'est passé quoi? Je me suis fait braquer. Je me suis fait braquer par des personnes, par deux personnes cagoulées. Ils m'ont tout pris, ils m'ont dépouillé, ils m'ont tout pris. J'ai tout perdu, mon atelier, ma sarc à rouge et tout. Ils m'ont laissé partir à poil. C'était où? C'était devant... C'était pas loin de Cabanino. C'était... Ah, mamma mia. C'était... C'était devant Vibor. J'étais en train de chercher des roues pour un client qui cherchait des roues d'une Olga. Et malheureusement, j'avais la tête dans la carte. J'ai relevé la tête et j'avais les deux personnes qui me potaient. Mamma mia. Et je n'ai plus rien. C'est la merde. Mamma mia. Là, t'as plus rien là. Non, je n'ai plus rien. J'ai très faim. T'as faim, tiens, attends. Si. Ah, vous savez, j'ai un très gros problème, Monsieur Florès. C'est un autre très gros problème. C'est que le problème, c'est quand j'ai très faim, je dois manger de la viande humaine. Alors vous bougez plus, vous levez les mains tout de suite. Oh, putain, merde. Les parleurs, vous bougez pas, Monsieur Florès. Je suis désolé, c'est une dépendance. C'est pas contre vous, ne le prenez pas personnellement. Vous ne bougez plus. Ok, Monsieur Florès. Maintenant, vous me suivez. Ok. Il y a la bouffe par terre aussi. Cette bouffe-là ne m'intéresse pas pour le moment. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas mangé de viande humaine. Je commence à me sentir très mal. Putain de merde. Je suis désolé d'en arriver là, Monsieur Florès. Vous auriez dû me vendre le camion. Non, si vous voulez, je vous passe. Ça aurait pesé dans la balance. Si vous voulez, je vous passe, on peut s'arranger. Le problème, c'est que j'ai très faim. Mamma mia. Putain, mais il y a de la bouffe là, il y a de la viande. Je peux pas manger cette viande pour le moment. Si je la mange, elle va me faire vomir. Faut que je mange de la viande humaine. Mon estomac, il ne veut plus de poules. Ces poules de merde. Mais non, justement, si vous mangez de la viande humaine, vous allez devenir fou. Monsieur, ça fait 20 ans que je mange de la viande humaine. J'arrive à tenir 2 semaines sans manger, 3 semaines maximum. Ok, mettez-vous contre cet arbre, monsieur. Mettez-vous contre cet arbre, Monsieur Florès. Ok. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi partir au moins, s'il vous plaît. Monsieur Florès. Il n'y aura pas de représailles, il n'y aura rien du tout. Il faut que je réfléchisse, qu'est-ce que je fais de vous, Monsieur Florès? S'il vous plaît, Mario, s'il vous plaît. Si vous voulez, je vous passe le camion, vous partez avec. Il est derrière le cadenas, je sais très bien. Je suis retourné voir. Je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir et je vous passe. Si vous me donnez le code du cadenas, je vous laisse repartir vivant. Je vous prends juste un petit bout de cuisse, vous aurez juste une petite entaille. Je vous ferai un petit bandage et désinfecterai. Vous me donnez le code du camion. Mais vous pouvez me laisser mes affaires au moins. Comme ça, vous prenez le camion, vous partez, il y aura rien. Je prendrai que le camion, monsieur. Oh, ok. C'est quoi le code? Vous bougez pas, monsieur. C'est quoi le code du camion? Le code, c'est 425. 425. J'espère que je peux vous faire confiance, monsieur. Monsieur, on va pas y aller. On va pas y aller ensemble, monsieur. Moi, je vais y aller tout de suite avec votre véhicule. Quand vous arriverez là-bas, votre véhicule sera sur place et le camion ne sera plus là. Nous allons faire comme ça, Monsieur Florès. Ok, mais peut-être que je me trompe sur la combinaison. Je peux venir avec vous au moins. Comment ça, vous trompez sur la combinaison, en fait. Mamma mia. Des fois, j'ai des trous de mémoire. Je peux venir avec vous si vous voulez. Vous pouvez me démenoter. Monsieur Florès, vous n'êtes pas compatissant. J'essayais d'être compatissant, c'est pour vous, sinon je vous mange en entier, Monsieur Florès. Vous êtes plus important que le camion. Est-ce que c'est le bon code ou c'est pas le bon code? C'est le bon code. Vous êtes sûr? Je vous tue tout de suite si c'est pas le bon code. C'est le bon code, c'est le bon code. Comment je peux vous faire confiance? 425. Votre ami John, vous l'avez trouvé, votre ami John, il est toujours dans la région. C'est qui John? Vous m'aviez dit une fois, vous aviez un ami John que vous cherchiez, que vous trouviez plus, et vos deux autres amis aussi. Non, c'est Fred. Ah, c'est Fred, pardon. Ouais. Merda. Et Fred, vous l'avez trouvé? Ouais, je l'ai trouvé, ouais. Il est revenu. Il est revenu. C'est pour savoir si je dois me méfier. Eh ben, monsieur... Ah, vous pouvez vous méfier de lui. Vous n'auriez pas dû me donner cette information, monsieur Florès. Je suis désolé. Il pourra me donner le bon code. Je l'attendrai là-bas. Mario. J'ai vraiment trop faim, monsieur Florès. Mario. Il faut que je vous mange en entier. Mais non, non, non. Eh... Non, non, non. Vous ne bougez pas, monsieur. Mamma mia. Je suis désolé, monsieur Florès. Je dois manger. Il est tout sale. Je devrais l'emmener à la fontaine pour le nettoyer. Monsieur Florès, je suis vraiment désolé. Je le mange. Mamma mia. Qu'est-ce que je suis devenu en votant? Oh. Oh. Che bene. Oh. Che bene. Encore un petit bout pour la route. Après je continue. Un peu mal au ventre, ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé. Un peu mal au ventre.